Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle étude de Rambam. On a appris hier le cinquième chapitre des lois, des matanot hanim, c'est-à-dire des dons qui sont relatifs aux pauvres, de savoir dans quelle mesure, quels sont-ils, etc. On va voir ce soir un sixième chapitre. Alacha Aleph. Matan acheret shishit yesh la'anim bezera aretz. Il y a un sixième don qui est prévu pour les pauvres dans ceux qui plantent sur la terre. Vous, à Maaser, Shalotim, c'est le Maaser, d'accord? C'est-à-dire la dîme qu'on doit donner aux pauvres. Vous, à Nikra, Maaser, Ani, on appelle ce Maaser, cette dîme-là, la dîme des pauvres. Les ous der Trumot ou Maasrot. Achash Gotzer Zera Aretz ou Osef Priaetz, Vetigamer Benartum Afrish Menu Echad Minachamishim. Les ous à Nikra Trumak Gdola Benotan la Kohen. Alors maintenant, l'ordre des dons à partir du moment où on a cultivé sa terre. Rambam dit comme ça. Une fois qu'on a moissonné la terre, qu'on a ramassé les fruits de l'arbre et qu'on a fini le traitement de la terre, on va devoir prélever dans cette récolte un cinquième. Et c'est ce qu'on appelle la grande terouma. Le lieutenant la Cohen, elle revient en Cohen. Ve'alze ne'emar batora, reshit deganecha tiroshra ve'tzarecha. Dans le schéma, quand vous dites reshit tiroshra deganecha ve'tzarecha, ça fait référence justement à ça. Les prémices de ce qu'on appelle ta vigne, ton blé, ton vin, ton huile, ça fait référence à la terouma. Une fois qu'il a fini de faire ça, qu'il a prélevé un cinquantième, dans ce qui reste, donc il a prélevé un cinquantième, donc il reste 49 cinquantièmes de sa récolte. Dans les 49 cinquantièmes de sa récolte, il va devoir prendre un dixième de tout cela. Donc un dixième des 49 cinquantièmes. D'accord? De pratiquement la totalité. Mais Maaser, cette dîme qu'il va prélever, cette deuxième dîme en fait, parce que la première a été prélevée, c'est le TE 1/50, cette deuxième qu'il prélève, eh bien, ça s'appelle le premier Maaser. À qui revient-elle? Cette première dîme revient au Lévi. Et c'est sur ça que dans la Torah c'est marqué, qui est Maaser ben Israël, c'est marqué le Maaser des ben Israël. Donc, c'est appelé dans la Torah, quand la Torah parle de Maaser, le premier Maaser dont elle fait référence, c'est celui-là, celui qui revient au Lévi. Il faut savoir que les Lévites travaillaient aussi dans le Beth Amikdash, et donc c'est normal que leur revenait quelque chose. C'est normal que les enfants d'Israël, des Lévites, j'ai donné la dîme en Israël. Donc là, on a prélevé un cinquantième, puis ensuite un dixième sur les un cinquantième. Ensuite, et après cela, ma friche minachéa achad maasara. Il reste donc, il a prélevé un dixième des 49 cinquantièmes, donc il lui reste une quantité. Et quand il va prendre cette quantité-là, eh bien, il devra prélever sur ce qui restera encore un dixième. Des ouanikra maasercheni, c'est ce qu'on appelle le deuxième maaser, la deuxième dîme. Et le oulibalav, et à qui revient-elle? Elle revient au propriétaire, effectivement, du champ.
Par contre, cette dîme-là ne peut être consommée qu'à Jérusalem. Donc en fait, c'est comme si que le propriétaire du champ prenait un dixième de cette récolte qu'il a et qu'il reste après avoir prélevé la terouma et le maaser du Cohen et du Lévi et qu'il se la réserve pour la manger à Jérusalem. Pourquoi? Donc on sait parce que c'est marqué dans la Torah, Valav Nehemar. C'est marqué que quand tu vas prélever la dîme, tu la consommeras. Et c'est marqué que quand tu prélèveras le maaser, tu le mangeras devant Hachem, ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura choisi. L'endroit qu'il aura choisi, c'est Jérusalem. Donc, on a l'obligation dans la Torah aussi de manger une partie du maaser là-bas. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, prélever la Trouma, prélever le maaser, premier maaser, pour les Lévis. Deuxième maaser revient au propriétaire à Jérusalem. Rambam définit, est-ce que c'était tous les ans qu'on prélevait ces différents types de maaserot de dîmes qu'on a parlé jusqu'à maintenant? Alors Rambam dit comme ça. À la Sederze, c'est de cette façon-là que ma frishin bashana rishona min hashavua bashnia uvarbit uvachamishit. Vous savez que tous les cycles de la Terre sont des cycles de 7 ans. Kadashmita. Septième année, c'est la dernière année d'un cycle et après, on recommence un nouveau cycle. Alors, en vérité, d'accord, eh bien, ce cycle-là, dont on a parlé, on va prélever la première année du cycle, la deuxième année du cycle, la quatrième année du cycle, la cinquième année du cycle. Par contre, Shavua. Mais la troisième et la sixième du cycle, après avoir prélevé le premier maaser, celui qui revient au Lévi, eh bien, on va prélever un maaser, une dîme, qu'on donnera aux pauvres, et c'est ça qu'on appelle la dîme des pauvres. Ça veut donc dire qu'en fait, la troisième et la sixième année, tous les ans, on prélève la terouma pour le Cohen et tous les ans, on prélève le Maaser Rishon, le premier Maaser pour les Lévites. Maintenant, pour l'autre Maaser, le Maaser Sheni, celui des propriétaires, ou le Maaser Ani, celui qui revient aux pauvres, il y a une distinction. Ce n'est pas tous les ans. La troisième et la sixième année du cycle, la dîme qu'on va prélever après avoir donné au Cohen et aux Lévites, c'est toujours la quantité dont on a parlé, un dixième, eh bien, revient aux pauvres. C'est ce qu'on appelle le maaser des pauvres. Maintenant, les autres années, c'est-à-dire la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième, eh bien, après avoir prélevé le maaser qui revient au Cohen et au Lévi, eh bien, on prélèvera le maaser que le propriétaire doit consommer à Jérusalem. Et dans ces 2 années-là, la troisième et la sixième, il n'y a pas le second maaser qui revient au propriétaire. Et là, maaser Ani s'est remplacé par le maaser des pauvres. Madame Neymar, et dont on le sait, dans la Torah, c'est marqué, c'est marqué dans la Torah qu'au bout de 3 ans, quand tu vas sortir toute la dîme qu'il y a dans ta récolte, cette année-là, d'accord? Donc la troisième année, tu la déposeras à tes portes et ça viendra au Lévi, et il s'est marqué quand tu auras fini de prélever toutes tes dîmes. Donc, puisque c'est marqué au bout de 3 ans, on comprend que c'est au bout de 3 ans, une première fois, troisième année, et au bout de 3 ans, encore une fois, ça veut dire 6 ans. Donc, tous les 3 ans, 3 ans, 6 ans, et après, on fait un cycle, on recommence un nouveau cycle, et donc on recommence à compter au bout de 3 ans. Donc, c'est pour ça que c'est la troisième et la sixième année, eh bien, qu'on donnait le maaser, comme on l'a dit. Au pauvre. Ah, excusez-moi. Oui. Moi, j'avais compris que vous avez dit que à la troisième et la sixième année, on fait la massée des pauvres. Oui. Mais c'est pas la massée en nid qui est à la troisième et la sixième année. Mais c'est ça, le maaser Ah, Ani, ça m'aide. Ah, c'est la le massée. maaser D'accord. Ani, Ani en hébreu veut dire OK. pauvre, donc c'est le maaser. Non, OK. Excusez-moi. C'est parce que C'est j'ai. C'est ça le que. maaser. Excusez-moi. C'est ça, justement. Attention. Je précise que ça ne veut pas dire qu'on peut se dispenser
des cadeaux en général qu'on doit donner aux pauvres. Vous avez bien compris que tous ces chapitres que nous sommes en train de voir, c'est tout ce qui revient aux pauvres. Donc, le cadre du maaser, la dîme de la récolte, elle est consacrée aux pauvres dans ce cadre-là en tant que maaser. Mais dans ce cadre-là, pour les pauvres, mais le pauvre a d'autres cadeaux. Et donc, ça veut dire que les autres années, on a aussi d'autres choses qu'on doit donner aux pauvres. Donc, on n'est jamais, si vous voulez, entre guillemets, dispensé de devoir donner les cadeaux nécessaires. Alachahé. Shnat Shmita Kula Efker. L'année de la Shmita, l'année de la Jachère, l'année qui arrive, l'année prochaine, à partir de Rosh Hashanah, eh bien, Kula Efker, tous les champs, ils sont considérés sans propriétaire. Mais Enba Lotruma Veloma Asrot Klal, puisqu'il n'y a pas de propriétaire, à personne ne revient l'obligation, ni de donner la Truma, ni de donner le Maaser. L'Orishon, Velocheni, Velo Maaser, ni le premier, ni le deuxième, ni le Maaser des pauvres. C'est en dehors de la terre d'Israël, chez Enba Shmitat Karka, puisqu'il n'y a pas d'année de Jachère en dehors de la terre d'Israël. Ma frichin baret mitzraim vamon moav maaserishon, maaserani. Eh bien, on prélèvera par exemple en Égypte ou dans les territoires de Ammon et Moab le premier maaser, ou maaserani, le maaser des pauvres. Mipne sharetzot elu krovot eret Israël, parce que ces terres-là sont proches d'Israël. Kede sheyu ani Israël nismachim alea bashvit, pour que les pauvres de la terre d'Israël, eh bien, ils puissent compter dessus pendant la septième année. Autrement dit, l'année où les pauvres ne pourront pas, puisque la terre n'est pas travaillée et qu'il n'y a personne qui a une obligation, on va dire que les principaux concernés, ce sont les pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Alors, eux, on dit, de toutes les terres qui sont avoisinantes à Israël, comme l'Égypte, Ammon et Moab, eh bien, dans ces terres-là, la septième année, on gardera l'obligation, d'accord, de prélever dessus la terouma pour le Kohen et le Maaser pour les pauvres, afin que, eh bien, le Maaser Rishon, le Maaser des Lévim et le Maaser des pauvres, afin que ces gens-là, les Lévim et les pauvres, ils puissent malgré tout avoir de quoi subvenir à leurs besoins, hein, même pendant l'année de la Shemitah. Alakha le Moshe Misinaï, ça c'est une loi qu'on tient de Moïse sur le mont Sinaï. Shiyum Afrishin Beretz Amon Moab Maaser Ani Bashvit, que même la septième année, eh bien, on prélève le maaser des pauvres dans ces terres avoisinantes à Israël. Aval Be'eretz Shinar, mais en Babylonie, Babylone, Mafreshimashit Maaser Sheni, on prélève le second maaser, d'accord, pendant la septième année, Kesedel Rav Hashanim, comme l'ordre des années majoritaires. Babylonie est une terre qui était également pas très loin, qui était fréquentée par le peuple juif. Et donc, c'est pour ça que Rambam dit qu'on prélève le Maaser Sheni, c'est-à-dire le Maaser qui revient aux pauvres, et donc qui revient aux propriétaires. Et ce Maaser-là devra être consommé, effectivement, à Jérusalem. Mais on ne peut pas le prélever en Israël, puisque les terres n'appartiennent à personne à la septième année. Donc, on prélève dans les terres avoisinantes. Et si déjà les propriétaires de ces champs en Babylonie, il est consommé à Jérusalem. Si on avait la possibilité, évidemment, de pouvoir monter à Jérusalem. Maaser Rishon chez la Kacha Lévi, le Maaser, premier Maaser que le Lévi a pris, lui-même, il est soumis à la mitzvah de Maaser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Mafrish Mimenu Echad Maasara, il prend un dixième, et le tenant la Kohen, il le donne au Kohen. Donc lui-même reçoit un dixième, et dans ce dixième-là, il doit donner un dixième au Kohen. Ou Anikra Trumat Maaser, c'est ce qu'on appelle la Terouma du Maaser, parce que ça revient en Kohen, donc ça s'appelle la Terouma. Mais c'est prélevé sur le maaser du Lévi, donc on appelle ça Trumat Maaser. Voilà, Neymar va la Lévim de Daber, et c'est pour ça que c'est marqué, et tu parleras aux Lévim, comme pour dire qu'eux aussi ont cette obligation de prélever le maaser. Ba'al Asadé, septième alakha. Shavu Alavanim, admettons qu'un propriétaire de champ, chez qui il y a des pauvres qui sont venus, Ve'ayulo Sham Maaserani, et il avait dans le champ, eh bien, le maaser des pauvres. Noten Mecholani Shiavor Alav Mina Maaser, qui est des Saveo. Il doit donner à chaque pauvre qui se présente une quantité suffisante pour le rassasier. Chez Nehemar, comme c'est marqué, et ils se présenteront à la porte et ils seront rassasiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lui prélève un dixième de tout ce qui est resté après avoir prélevé les différents maaser, et ça représente une quantité certaine, puisque on parle d'un champ. Donc, cette quantité-là,
qu'est-ce qu'il fait? Il la donne à un pauvre? Non. Il doit donner à chaque pauvre le nécessaire pour pouvoir le rassasier, en fonction de ce qu'il fait pousser dans son champ. Et ensuite, une fois qu'il a donné à chacun, une fois qu'il a épuisé, il a épuisé. Mais au moins, il aura donné à minima le minimum à chaque pauvre. Alors maintenant, c'est quoi ce qu'on appelle les quantités suffisantes pour rassasier? Parce qu'il a besoin de savoir, en fonction de ce qu'il fait pousser. Alors, Kedeso Kama, c'est combien pour rassasier? Imina, si c'est du blé, il doit donner moins, pas moins de 1/2 cave. Imina seorim, loifrat mekav. Si c'est l'orge, il doit donner au moins 1 cave. Imina kousmim, loifrat mekav. Si c'est l'épeautre, eh bien, il ne pourra pas donner moins que 1 cave. Instant. J'ai perdu la ligne. Voilà. Pour vous donner une notion, d'accord, 1 cave, en même temps que vous sachiez, 1 cave, ça correspond environ à 1,5 litre, 1,5 kg. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez plus ou moins apprécier 1,5 kg ou 1,5 litre, de façon à ce qu'on puisse savoir plus ou moins combien ça correspond. Ina kousmim, le frat mikav, si c'est de l'épeautre, il ne doit pas donner moins de 1 cave. Mina gogarot, le frat mikav, si c'est des figues sèches, il ne doit pas donner moins de 1 cave. Mina dela, si c'est des plats de dattes, le frat mishkal chamesh ve'isrim sela, il ne doit pas donner moins que 25 sela. Mina yayin, le frat mikhatsilog, si c'est du vin, il ne doit pas donner moins de 1/2 log. Mina shemen, si c'est de l'huile, le frat mirvit, pas moins que 1 révit. Mina orez, si c'est du riz, il doit donner 1/4 de cave. C'est les quantités qui sont nécessaires pour rassasier. Natan lo yarak, s'il a donné des légumes, Natan lo mishkal litra, il doit donner le poids d'un litre. Vous mishkal chamisha shim dinar, ça représente 35 dinars. Mina charouvin, si c'est des caroubes, eh bien, shlosha kamim, il doit donner 3 kamim, 3 caves. Mina godim, des noix, asara 10. Mina afarsekin, si c'est des pêches, il doit donner, eh bien, 5. Chamisha, mina rimonim, des grenades, shneim 2, etrog, un seul. Imenatan mishar perot, des frottes bin deshin, karamik, karbin même, nazon, jete soudot. Et s'il lui donne d'autres fruits, il ne doit pas donner moins que la quantité qui est nécessaire pour les vendre et acheter 2 repas. Donc, vous voyez que la Torah, elle a été bien précise dans les quantités qu'il faut donner à chaque pauvre qu'il soit rassasié. Ayalo davar muat. Admettons qu'il avait une petite quantité. Il n'y a pas un grand champ, il a une petite quantité. Vani Merubin, il y a plein de pauvres qui se présentent. Enbok, il n'a pas la possibilité de leur donner chacun pour être rassasié. Il pose la nourriture et on partage entre le nombre de pauvres qui se présentent. La 10, on partage en 10. Même si c'est moins que rassasié, parce qu'il n'a pas la quantité. Eh bien voilà, c'est comme ça. Ou Maaserani, Amitralek Begoré. Le maaser des pauvres, qui est partagé dans la grange, en botobatana la bali, ça ne peut pas être donné par le propriétaire au pauvre qui l'a envie. Et la nim baim benotni malkocho, les pauvres viennent, et ceux qui viennent, ils prennent. Même si lui, il n'aime pas ce pauvre-là, c'est comme ça. La filo alishibé Israël, même un pauvre du peuple juif, motil otomiyado, eh bien, s'il a un champ, eh bien, on va devoir lui prélever le maaser aussi à lui. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a un champ, il doit aussi donner le maaser. Le maaser, tout le monde y est astreint. Aval, mitralek babaït, mais celui qui est partagé dans la maison, c'est-à-dire ce n'est pas dans la grange, c'est dans la maison qu'il y a le partage. Yeshlotovatana, il a le droit de choisir dans quel ordre il donne aux pauvres. Un pauvre qui se présente, il doit lui donner. Mais il a le droit de donner en priorité à un pauvre, parce que c'est dans la maison. Donc, si c'est dans la grange, directement, ça veut dire que le pauvre, il est tout de suite présent. Imaginez, le temps que le maaser passe de la grange à la maison, c'est un certain temps. Quand le maaser, il est dans la grange, au moment où il est dans la grange, eh bien, c'est tout de suite, dès que l'affaire se présente, dès qu'il y a besoin. Ça veut dire que le pauvre qui se présente, quand le maaser est dans la grange, c'est qu'il en a nécessairement besoin. Que dirait un propriétaire de champ à une personne qui est vraiment dans le besoin, au point où il s'est dépêché d'arriver jusque dans la grange
en lui disant « j'ai pas envie de te donner ». Non. Donc c'est pour ça qu'il a l'obligation de lui donner, même s'il ne l'aime pas. Par contre, c'est déjà dans la maison, ça veut dire que le pauvre, il ne s'est pas précipité. Il a eu le temps d'arriver. Il a pris le temps. Et s'il a pris le temps d'arriver, alors à ce moment-là, la personne est en droit de donner à lui ou de ne pas donner à lui parce que c'est dans la maison. Donc, vous voyez bien que quand vous voyez que quelqu'un demande avec insistance et qu'il est dans le besoin, c'est une raison de plus pour ne pas lui refuser. Alakha Yudalef. Ayaloma Aser Bagoen. Il avait encore la dîme dans la grange. Il voulait la donner à un proche parent qui est pauvre. Alors qu'on a dit, il ne doit pas faire de priorité là-bas. Omi Yudao, quelqu'un qui connaît. Et Shlafresh Baretzel Bnodo. Il a le droit de lui donner la moitié. Et l'autre moitié, il la donne aux pauvres tels qu'ils se présentent. Donc, dans la grange, il doit avoir, quoi qu'il arrive, donner aux pauvres qui se présentent, mais il pourra consacrer la moitié de ce maaser sur le côté pour un pauvre qu'il affectionne, quelqu'un qui est dans le besoin. D'accord ? Alakha 12. Dans quel cas on parle, il a l'obligation de donner aux pauvres en quantité pour rassasier. Bassadé, c'est quand c'est dans le champ. Si le maaser était déjà dans la maison, il peut leur donner à chacun même 30 grammes. L'ordre de devoir donner dans le champ, l'ordre de devoir donner pour les rassasier, et c'est dans le champ. Donc, c'est encore avant la grange. Parce que d'abord, c'est dans le champ, après la grange et après la maison. Donc, raison de plus quand on est dans le champ pour devoir dire qu'on doit leur donner pour les rassasier. Parce que s'ils se présentent dans le champ, ça veut dire qu'ils sont très, très pressés, qu'ils sont vraiment dans le besoin. Et à ce moment-là, eux, il faut les nourrir pour les rassasier. Donc, on leur donne pour les rassasier. Parce que, comme c'est marqué dans la Torah, ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. Ça veut dire dans les portes, avant la porte, dans le champ, c'est là-bas qu'il faudra leur donner pour pouvoir être rassasié. Alakha 13. Baou ish veisha labait. Admettons qu'un homme et une femme qui sont pauvres viennent dans la maison. Notnim laisha trila ou fotrinota. D'abord, on donne à la femme. Voilà, la galanterie. Ensuite, elle se retire ou fotrinota. Avarkar notnim laisha. Après, on donnera à l'homme pauvre. Avouvno, un homme et son fils. Ishu krovo. Un homme et son prochain, Shnei Achim, deux frères, Shnei Shutafim, deux associés, Shechem et Ani, dont l'un était pauvre, Noten lo achad maser ani shelo, eh bien, il faut savoir que l'un doit donner la dîme au second. Ça veut dire qu'effectivement, un père et son fils, si l'un est dans le besoin de le donner, un homme et quelqu'un qui est proche, deux frères, deux associés, dont l'un des deux est pauvre, on doit donner à celui qui est pauvre. Shnei Anim, chez Kiblou Sadeh Barisut. Ze mafrish maaser anim, mechalko venoten achavero, vechen chavero mafrish mechalko venotenu. Admettons qu'on a deux pauvres qui reçoivent un champ en métayage. L'un, il va prendre la partie, d'accord, du maaser ani, du maaser des pauvres, il va la donner à son ami. Et l'autre également va prendre une partie et va la donner. Ça veut dire que chez à tour de rôle, ils ont chacun une partie du champ. Eh bien, ils peuvent se donner le maaser des pauvres et qui sont pauvres réellement. Ce sont des personnes qui sont pauvres. Même s'ils ont ce champ-là, ils sont pauvres, ils ont du mal à subvenir à leurs besoins. Ils doivent quand même prélever le maaser et donc chacun peut donner à l'autre puisqu'ils sont associés. Alakha Tedvav, 15. Amekabel Sadeliktor. Celui qui reçoit un champ pour moissonner. Assur la katshicha ou pea maaserani, il n'a pas le droit, lui, si on lui donne un champ à moissonner, il ne peut pas récupérer les branches, la récolte qui tombe, quand il récupère avec la brouette, ce qu'il a oublié dans l'arbre, ce qu'il a oublié de moissonner, et le coin du champ qui est réservé. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui reviennent aux pauvres à la base, les katshicha et pea. Trois choses qui reviennent aux pauvres. Un coin du champ est réservé quoi qu'il arrive aux pauvres, en plus du maaser, au moment de la récolte.
les branches qui tombent de la brouette au moment où il est en train d'évacuer la récolte pour l'amener dans la grange, ce qui tombe, c'est pour les pots. Et quand il pense avoir fini, s'il n'a pas fini, qu'il reste quelque chose, c'est aussi pour les pots. Maintenant, admettons que quelqu'un a donné du travail à quelqu'un en lui demandant de moissonner le champ. Est-ce que lui, à proprement parler, il peut avoir, eh bien, je dirais, la possibilité de récupérer ces choses-là? Non, pourquoi? Parce que puisque lui-même est chargé de moissonner, si on dirait que lui a le droit de récupérer ça, il ferait exprès de laisser des choses, il ferait exprès de faire tomber des choses, justement pour pouvoir les récupérer. Donc on lui dit, non, toi, tu n'as pas le droit. Comme ça, il fait son travail comme il faut. Et après, s'il reste, ou si c'est tombé, alors ça sera pour un autre pot. Et ma taille, quand est-ce que c'est le cas? Les gens, chez Kibbe, menou, l'ikar, kalig, bechol, asadé, quand il a reçu pour prendre une part dans tout le champ. Kigot, chez la tanouche, t'es chaud, remédia, basrao. Par exemple, le propriétaire du champ, il lui a rémunéré en lui disant, tu vas prendre un quart ou un tiers du salaire en échange de ce que tu vas faire. Avalim, marlo, bal, asadé, mais si, le propriétaire du champ, il lui a dit, shlish, machata, kotzer, bilvad, ou shelcha, ou revia, machetiktor, reze, en loklum, achetiktor. Mais si le propriétaire du champ lui a dit, il n'y a qu'un tiers de ce que tu vas moissonner qui va t'appartenir, ou un quart de ce que tu moissonnes, eh bien, il ne pourra rien avoir tant qu'il n'a pas moissonné. Ou vishat akatsir ou ani, et au moment de la récolte, il est considéré comme un pauvre, et vira moutar beleket chefopéa, c'est pour ça qu'il pourra. La soube maaserani, par contre, lui ne pourra pas prendre le maaser des pauvres, chen mafrishin maaserani et la hache katsar, parce qu'on ne peut prélever le maaser ani qu'une fois que la moisson est finie, rezacha bechel koshe katsar. Et lui, il a déjà reçu une part avant qu'il moissonne. Autrement dit, le maserani n'est attribué qu'une fois qu'on a moissonné. Alors que le leket shikha epea est attribué même avant la moisson, puisque c'est de fait. Donc lui, puisqu'il a déjà un salaire qui est défini avant que la moisson soit faite, puisqu'il lui a déjà dit tu vas prendre tant de la récolte, alors dans ce cas-là, eh bien, il lui a déjà défini, il ne pourra pas prendre, eh bien, le maaser ani. Par contre, si c'est après qu'il est moissonné qu'il se présente un autre pauvre, là il pourra profiter de la moisson. C'est la différence entre le maaser ani et le leket shikha epea. Le maaser ani n'existe qu'après avoir fait la moisson, alors que le leket shikha epea sont trois choses qui existent déjà avant que la moisson soit faite. Alakha tetzayin. Amokher et tzadehu karka operot ve'ani, celui qui vend son champ, le terrain, et les fruits. Véani, et après, il devient pauvre. Arez et moutarbe les ketchikha opéa, ou maaser ani shela, eh bien, il aura le droit de prendre les ketchikha opéa, le maaser ani de ce champ-là. Une fois qu'il est devenu pauvre, il pourra retourner et récupérer ces choses-là de ce champ, parce que c'était le sien. Valoka rassoumé, baïn, et celui qui achète n'a pas le droit. D'accord ? Au don des pauvres. Afalbi Shadaïn le Natat Damim, même s'il n'a pas encore donné la pièce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui récupère le champ. Donc il n'a pas le droit, lui, de profiter de cette chose. Bafilou Lové Damim, et même s'il emprunte la somme d'argent pour pouvoir acheter ce champ-là, ou les Kachaï, il achète à Résasour Matanaïm, lui, il ne pourra pas prendre les Matanaïm puisqu'il est en train d'acheter un champ. Alakha 17, dernière Alakha de ce chapitre, Maaserani, la dîme des pauvres, M. Priminou Milva, on ne peut pas l'utiliser pour rembourser un emprunt. Je ne peux pas prendre de maaser ani et rembourser un emprunt avec. L'admeshel minou est tagmoulin. On ne peut pas l'utiliser également pour rendre un service. Par exemple, si un ami qui lui a prêté de l'argent et qu'il a maintenant besoin d'emprunter de l'argent, il ne peut pas lui donner sa dîme des pauvres pour prêter à l'argent. Aval michalmi minou que de marche l'imbour sa dîme, mais par contre, on peut l'utiliser en tant que don. On peut le donner à un pauvre. Parce que quand on donne à un pauvre, on n'attend rien en échange. Mais quand on le rembourse une dette, ou quand eh bien, on veut rembourser un prêt, ou quand on rend un service, c'est parfois parce qu'on attend quelque chose derrière. Mais si c'est un don, alors on peut l'utiliser, ce maaser, parce qu'on n'attend rien derrière. On n'a pas le droit de profiter du maaser, entre guillemets, pour pouvoir, pour son besoin personnel. Ben Podim Bauchwin, on ne peut pas également, avec ce maaser, racheter des prisonniers. Ben aussi Bauchwinout. Et on ne peut pas également faire de chouchouine ou de venotim, mais nous devons le stack, on ne peut pas donner cette chose-là à la collecte. Venotim auto le chaver ir betovatana. On a le droit de le donner à quelqu'un qui s'occupe des besoins communautaires. Venotim auto me arrête le route s'arrête. On ne peut pas le faire sortir de la terre d'Israël pour l'amener en dehors de la terre d'Israël. Je n'ai pas commencé à dire, mais Arabi Shaykh, Venema, Arabi Shaykh, vous savez, ils mangeront sur ta porte et ils seront rassasiés. Donc, on est dans cette halakha où on est en train de dire
que le maaser, d'accord, qu'on doit attribuer, eh bien, ça ne peut pas être utilisé pour un service. Ça ne peut pas être utilisé quand on attend une contrepartie. Quand on donne le maaser, c'est sans contrepartie. C'est tout. C'est un don fixe. On peut le donner à quelqu'un qui s'occupe des besoins communautaires. Et on peut également le donner, s'il vient de la terre d'Israël, on doit le donner aux gens de la terre d'Israël, parce qu'on ne peut pas prendre du maaser à la terre d'Israël et le faire sortir en dehors de la terre d'Israël. Par contre, s'il vient en dehors de la terre d'Israël, alors oui, on peut le donner aux gens en dehors de la terre d'Israël et aussi aux gens qui sont en Israël. Voilà, voilà pour ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. We have. Oui. Oui, je voulais juste sur le dernier explication que vous avez donnée par rapport au Marseani. Au fait, disons, vous avez dit qu'on ne peut pas utiliser le Marseani pour régler des dettes, par exemple. Mm-hmm. Mais vous parlez de la personne qui est en train de donner, pas de la personne qui est en train de recevoir. Le pauvre qui recevra le Marseani en argent, par exemple, s'il veut liquider une dette avec ce Marseani, il peut le faire. On parle de deux choses, en fait, différentes. On est en train de dire... Vous êtes en train de parler de moissons, des choses de la terre. Oui. Mais j'entends. Mais est-ce que le Marseani, c'est seulement pour la terre ou il y a aussi le Marseani par rapport à un Marseani en argent? Tout le Maaser, hein? À l'époque, on avait des terrains. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Ouais, après, d'accord. Le Maaserani a pris la définition, effectivement, de tout ce qu'on a. Voilà. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de terre. Ça a pris une définition beaucoup plus large. D'accord ? Donc, oui. Au début, on a dit que le Maaserani, quand on reçoit, oui, le Maaserani, une personne qui reçoit, le pauvre qui reçoit, lui, d'accord, oui, eh bien, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire avec. Il a le droit de le donner, lui, à quelqu'un, utiliser cet argent pour le donner à quelqu'un, d'accord, à condition qu'il n'y ait pas de contrepartie. D'accord ? D'accord. À part ça, on a dit aussi dans la dernière halakha que la personne qui donne le maaser, Annie, d'accord, mm-hmm, eh bien lui, il faut qu'il sache à qui il peut le donner, à qui il ne peut pas le donner. Alors en général, il donne aux pauvres. Mais on a dit deux choses. On a dit que ce maaser Annie, il a le droit de le donner à un érudit, par exemple, qui s'occupe des besoins communautaires, même si ce n'est pas pour en parler à un pauvre. Mais comme il s'occupe des besoins communautaires, alors on a le droit de lui donner. Ouais. Pour lui, pour ses besoins personnels, par exemple. Deuxièmement, celui qui va donner le maaser aussi, eh bien, il faut qu'il sache que si cet argent, il vient de la terre d'Israël, il doit rester sur la terre d'Israël. Mais s'il vient d'en dehors de la terre d'Israël, par exemple, un business à Genève, un exemple, hein, d'accord, ou n'importe où dans le monde, il peut le donner soit en Israël, soit aux gens qui sont en dehors de la terre d'Israël. Mais si, comme vous avez dit, ce maaser, on donne un érudit, lui, il peut utiliser ça pour ses besoins personnels. Son besoin personnel, par exemple, ça peut être un paiement de loyer, par exemple. Il peut l'utiliser. Non, il doit utiliser ce maaser-là soit pour manger, oui, soit il peut l'utiliser s'il veut, il peut donner quelque chose à quelqu'un, parce qu'à la base, les achlou, ils devront manger. Donc, il doit l'utiliser pour manger quand c'est en terre. OK ? Donc, il doit l'utiliser à la base, ce maaser, ça doit être ce qui va financer, entre guillemets, ses besoins qui vont manger, sa nourriture. D'accord ? Maintenant, à part ça, on a aussi parlé de celui qui va donner le maaser. Celui qui va donner le maaser, lui, il faut qu'il sache à qui il peut le donner et dans quel endroit géographique il peut le donner. C'est pour ça qu'on a dit, même un érudit, ou même, finalement, quand c'est en Israël, et si c'est en dehors de la terre d'Israël, partout. OK, merci. D'accord, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vous souhaite une très, très bonne soirée, des bonnes nouvelles, et Shabbat Shalom à tout le monde.